Et nous voici pour ce cinquième épisode. Cinquième épisode. Donc là, on est sur la route. On part direction La Rochelle pour remonter, pour faire les sables, Noirmoutier, La Baule, Guérande. Donc là, c'est l'épisode La Rochelle et on va rencontrer Clara, qui est responsable de la boutique La Rochelle et qui nous a prévu plein de sorties, plein de choses à visiter, de choses sympas. Voilà, là on est sur la route et on vous prépare plein de belles choses. Donc Manon, connais-tu bien Papa Pic et Maman Pouf? On va faire un petit quiz. Est-ce que vous aussi vous connaissez bien la grande famille de Papa Pic et Maman Pouf? Donc première question, depuis quand existe BPMC? Ça fait 26 ans exactement. C'était en 95, okay, donc 26 ans. Quel a été le premier accessoire vendu? C'était des barrettes. Oui, c'était des barrettes. Moi, je croyais que c'était des chouchous, mais ça a été c'est deuxième vrai. Article. Ouais, c'est vrai. Deuxième article, mais ça a été les barrettes sur le marché. Quel est l'imprimé phare chez Baba Pic et Maman Pouf? C'est le Vichy Coccinelle. Et oui, le Vichy Coccinelle, qui est toujours d'actualité d'ailleurs. Ouais, il se vend en sous-sous, en grand vendu, ouais. Aux pochettes, etc. Combien y a-t-il de boutiques? Alors, il y en avait 26 jusqu'ici, et on en a ouvert là une très récemment sur Pornic, donc on est à 27. On est à 27 boutiques. En tout, ouais. Et où a démarré l'aventure? À la Trinité-sur-Mer. Ouais. Sur les marchés. Marché des premiers. Et donc la première boutique de BMC, est-ce que tu le sais? Elle a été ouverte, je dirais, Carnac. Ouais, il y en a eu plusieurs. Carnac, le Plastique ont été les premières boutiques en 98. Ok. Quel métier Namfam, la créatrice, se destinait-elle avant de lancer Baba Pic et Maman Pouf? Elle faisait des études d'architecture. Exactement. Donc pour payer ses études d'architecture, Namfam était en train de vendre ses petites barrettes qu'elle faisait main sur les marchés bretons et aussi en Normandie. Elle faisait les marchés Normandie, vous avez pu voir dans la vidéo d'avant. Où est le siège social? À son travail. Combien de salariés compte PPMC en France? Je sais qu'on peut être entre 50 et 100 les saisons. Les saisons, ouais, avec quand il y a les vendeurs, les vendeurs en plus pendant les saisons, donc on est un peu plus. Entre 50 et 100, quoi. Combien de nouveaux produits sont faits par an? Combien de nouveaux produits sortent? Une dizaine, je crois. C'est ça, une dizaine. Est-ce que tu sais si par rapport aux boutiques, ça ouvre, il y en a une? Je crois qu'on tend à ouvrir à peu près une boutique par an, se rapprocher au plus de nos clients. Et en parlant, parce que là nous sommes en plein dans les soldes, où a lieu le grand déstockage? Le grand déstockage, il a lieu à Crac, dans le Morbihan, près de notre siège. Nous voici à La Rochelle pour découvrir les tours de La Rochelle et plus particulièrement la tour de la lanterne que vous voyez ici qu'on a pu escalader. Donc il existe trois tours, la tour de la lanterne, la tour de la chaîne et la tour Saint-Nicolas. Toutes les trois conçues pour servir de résidence, deux tours sur trois, donc c'est la Saint-Nicolas et la tour de la chaîne ont également été des lieux de détention entre le 11e siècle et le 13e siècle pour les Huguenots, puis les marins étrangers. Elles deviennent ensuite prisons militaires au XXe siècle. La tour de la lanterne, quant à elle, servait à désarmer les bateaux en amont du port et avait une fonction de phare. Il faut savoir que vous pouvez retrouver ces trois tours directement en face du port parce que ce sont des vestiges de fortifications médiévales qui protégeaient justement le port et la ville.
Donc on rentre, on va voir Clara dans la boutique de La Rochelle. Bonjour. C'est Clara qui s'occupe, qui est responsable de la boutique de La Rochelle. Donc ça fait combien de temps que tu es sur La Rochelle et responsable ici? Eh ben ça fait un an tout juste. Oui, j'ai commencé en fin juin l'année dernière, donc ça y est, ça fait un an. Ouais, ouais. Et pourquoi avoir choisi ce la boutique et pour son univers, pour son histoire, pour ses valeurs et pour le plaisir de travailler dans la couleur, c'est un vrai bonheur. C'est vrai. Ouais. Et on voit que tu as le petit full aquarium. Oui, les nudes. Oui, c'est pour ça. Les cheveux, donc oui. Spécialisé dans les coiffures, toi. J'adore les coiffures en effet, et j'adore surtout changer un peu l'utilité d'un produit. Le foulard, visiblement, c'est normalement autour du cou. J'aime beaucoup le mettre sur la tête et aussi accrocher au sac. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Mais en effet, sur la tête, j'aime beaucoup et notamment d'autres accessoires que je mets en coiffure ou en bandeau. J'adore. Et donc, Clara, aurais-tu un produit ou plusieurs produits que tu veux nous présenter que tu aimes beaucoup chez Femme Appliquée dans le coup? Alors, oui, moi je reste dans l'accessoire cheveux que j'adore essayer et présenter, c'est le Fulci. Donc, le Fulci, c'est l'accessoire phare si on veut avoir plusieurs utilités avec ce, voilà, le chouchou plus le bandeau. Alors, comme couleur, qu'est-ce que tu veux essayer? Est-ce que tu as une couleur préférée? Non, pas trop. Bon, je te prends. Ouais, eh bien, allez, le fleuri nude qui est très joli pour l'été, pour la saison. L'idée du Fulci, c'est d'avoir un chouchou et un foulard qui sont dissociables. Donc, on peut décrocher et dénouer ce foulard pour que ça devienne un bandeau. Donc dans un premier temps, si on veut garder le foulard, on a le chouchou, on fait la couette et le chignon et on vient laisser tomber le bandeau sur les cheveux. Donc c'est très joli. On peut aussi le mettre en bandeau. Donc on détache le chouchou du bandeau et on vient le mettre sur la tête. Est-ce que je fais la coiffeuse? C'est parti. Donc deux possibilités. Soit on fait le nœud au-dessus. Si j'arrive. Là, je suis bloquée. Derrière, on le repasse devant. Moi, j'aime le mettre sur les oreilles, mais après, on fait comme on veut. On le met devant, on laisse passer un petit peu de cheveux, on vient nouer sur le dessus, on fait un premier nœud, hop là, et un deuxième pour pas que ça bouge. Donc moi j'aime bien laisser les petites pattes devant, si on veut les mettre dessous on peut, comme ça on les voit pas trop, on laisse la petite mèche et ça vient faire un bandeau dans les cheveux. Moi j'adore. Donc ça c'est la première proposition, soit le nœud dessus, on peut le mettre sur le côté, bien au milieu, c'est comme on veut. Et après si on veut quelque chose d'un peu plus simple, quand on a juste envie de se protéger du soleil par exemple, on vient faire le bandeau plat. Donc on le détend au max, moi je le plie en deux pour que ce soit bien plat, on le met dessus, et même principe, on vient le nouer juste derrière. Et ça fait le joli bandeau. Alors je le noue, je te laisse tenir tes cheveux, pour pas que je te les... Je sais pas. Tiens, vas-y. Ouais, nickel. Je te le remets devant. Hop, c'est bon, good. Et là on fait le nœud, et ce qui est sympa aussi c'est de laisser le petit bandeau derrière qui vient tomber sur la nuque, ça laisse l'accessoire en plus. Et voilà. Et là ça fait un bandeau plat, et l'avantage c'est qu'il est adaptable à toute taille de tête, donc autant pour les enfants que pour les adultes, il sera ni trop serré ni pas assez parce qu'on gère vraiment voilà, la dimension, voilà comment on souhaite le serrer. Voilà. Et après le chouchou, soit on le met au poignet comme l'accessoire mode du moment, soit en chignon ou en couette. D'accord. Voilà, plein de choses à faire. On est bientôt à la fin de l'année scolaire. Oui. Est-ce que tu as des idées pour les cadeaux de maîtresse? Oui, j'ai beaucoup de demandes de cadeaux de maîtresse, ATSEM, voilà, toutes les personnes qui travaillent dans les crèches et dans les écoles. Exactement. Alors, venez avec moi, c'est juste par ici. Donc, on va avoir comme cadeau phare, ça a été le porte-monnaie recto verso. Bon, déjà première chose parce que c'est l'accessoire le plus pratique en termes d'accessoire sac à main porte-monnaie. Deux compartiments, un pour mettre billets et cartes, et l'autre c'est les pièces. C'est très pratique, exactement, il n'y a rien de plus pratique. C'est un petit cadeau clin d'œil qui est très joli. Je vois qu'il a une petite patte, donc on peut l'accrocher aussi dans le sac. Exactement. En fait, on rajoute une petite lanière et on l'accroche au sac. Et ça c'est pareil, c'est très pratique. On peut l'accessoiriser, moi j'aime beaucoup, avec l'étui à lunettes. Même coloris, ça fait vraiment les deux accessoires sac à main. On peut rajouter la petite barrette sur l'étui, ça rajoute le petit clin d'œil. J'aurai aussi, en cadeau ATSEM, c'est les petites pochettes. Donc là, on va avoir pochette tissu petite, pochette tissu grande. On rajoute une grande lanière, exactement, et on rajoute une petite barrette. Et là, ça nous fait un joli sac qu'on peut prendre si on va au marché, à la plage. Quand on n'a pas envie de prendre son sac à main, c'est très pratique.
Voilà, donc ça en cadeau c'est pareil, on met les deux coloris qu'on veut, on a toutes les pochettes en possibilité et là on s'amuse à faire des jolies combinaisons. Oui, c'est un peu personnalisé et c'est comme on le souhaite. Exactement. Voilà, et troisième petite idée qui fonctionne très bien, ce sont les foulards. Alors comme tu l'as vu tout à l'heure, je l'ai dans mes cheveux, donc il y a plein d'utilisations pour le foulard. Moi j'aime beaucoup en coiffure cheveux, mais aussi bien sûr autour du cou. Voilà. Le cycle, même le sac. Exactement, aussi. En accessoire sac à main. Donc ça avec les petits pompons, c'est très chic, très élégant et ça. Hello à tous. On a prévu de partir voir le fond des océans. Ouais, on va à l'aquarium ce matin. Voilà, qui est juste ici. Voyager, donc on se retrouve dans les fonds marins. Nous quittons La Rochelle à la découverte de l'île de Ré, qui est située à peu près 15 minutes pour rentrer sur l'île de Ré et 30 minutes si vous allez jusqu'au bout de l'île de Ré où il y a le phare de la baleine. Donc là on est sur la petite ville Saint-Martin-de-Ré qui est le centre historique de l'île de Ré, à la découverte de ses ruelles toutes mignonnes, de ses maisons en pierre. Nous partons aussi maintenant au phare de la baleine qui est au bout de l'île. Donc c'est un des phares les plus grands de France. Il fait à peu près 57 mètres d'eau et il offre vraiment un panorama sur l'île de Ré et les Pertuis. Donc il a été construit en 1849 pour renforcer l'action de la vieille tour édifiée sous Vaudan, qui est classé monument historique. Donc c'est un musée, vous pouvez escalader aussi et aller dans le phare qui vous donne une très belle vue. Donc nous on a décidé de le contourner et de finir par un petit yoga au bord de la mer qui était en marée basse bien sûr. Donc une activité agréable, toujours en compagnie du bandeau jersey adulte, très pratique pour les séances de sport. On vous laisse en cette fin d'épisode sur un peu de détente et on se retrouve pour un prochain épisode avec une de nos nouvelles boutiques PPMC. À bientôt !